servir à vous mettre debout et chanter avec vous la cette famille. D'ores et déjà, je vous souhaite bonne participation. Thank you.
Si tu le veux, fais observer les points de moi. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étant la mer vers ce que tu peux faire. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir et il voit. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impur. Il n'a donné à personne la permission du péché. Parole du Seigneur. Thank you.
à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il y a été dit aux anciens, tu ne commettras pas le meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la guerre de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là où tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge. Le juge au garde et quand on te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gêne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est l'adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui. Oui, c'est oui. Non, si c'est non. Ce qui est plus de qui, en plus, vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu.
c'est une grande voix que mon Dieu va nous mettre à l'essor pour voir que dans tout ça, mon Dieu est créé, parmi toutes les autres créatures, il n'y a que l'homme qui a ce pouvoir. Il est créé libre. Il est créé libre de choisir. La liberté de choisir. Chaque jour, en chaque situation, nous faisons toujours des choix. Et on dit l'homme ne peut pas ne pas choisir. Le fait de ne pas choisir, c'est déjà un choix. C'est-à-dire, inévitablement, nous faisons des choix. L'homme, comme étant un être qui est fait pour choisir, nous dit qu'il est créé libre. Mais à cause, parfois, l'usage que nous faisons de cette liberté, très souvent, on utilise la liberté ça mal. À côté de cette liberté que mon Dieu lui-même nous donne, que ça crée la loi qui marche avec la liberté ça. Avant tout, très souvent, nous confondre liberté avec libertinage. En pile monde, en pile courant théologique ou philosophique, tu as laissé comprendre que la liberté n'existe pas. Pourquoi ils disent que la liberté existe? Parce que pour eux-mêmes, liberté veut dire pouvoir pour faire sauver. Je voulais quand on voulait avec mon voulait. Comment nous sommes capables de comprendre un monde comme ça? Une liberté qui voulait dire que nous faisons ça et voulait. J'en voulais quand on voulait. Comment nous sommes capables de comprendre? Il est vrai que mon Dieu crée nous libres pour nous. Prendre des décisions que nous voulons, eh bien, pour liberté ça que nous gagnons, pour être capable d'utiliser et faire ça que nous voulons avec. Comment être capable de comprendre une société sans la loi, sans principe? Est-ce qu'il est possible pour une société capable de fonctionner sans loi, sans principe? Non, il n'est pas possible. Pour qui ça? Parce que là, il y a les hommes, il y a le bruit. Depuis qu'on a un monde qui a un problème. Parce que, en tant que monde, nous ne souvent pas la même vision. Nous pas gagner même façon de voir. En tant que monde, intérêt nous est différent. Et chaque monde, ou est bagaille l'urgent. Chaque monde a une vision de réalité. Et par le fait que chaque monde a une vision, chaque monde a un intérêt, ça peut causer qu'il faut qu'il y ait une loi qui régit pour contrôler l'action. De manière générale, nous t'appelons distinguer trois catégories de lois. Loi naturelle, ça veut dire une loi qui fait de la création, qui régit.
que l'homme n'a pas de pouvoir sur le roi Saïon, tant qu'il y a une loi naturelle, loi de la vie et une loi de la mort, pas de pouvoir qui empêche la réalité ça, le fait pour mourir, ça son loi, ça son loi qui dépasse la compétence humaine. Après la catégorie loi, ça est loi ou la catégorie loi, elle est loi positive. Loi positive là, droit positif là, c'est loi peut-être bon yo écrit, loi légiférée, loi juriste, moun qui est compétence pour ça, yo écrit, et qui en pile. Et dernière catégorie loi, c'est loi bon Dieu, loi divine. Loi très souvent nous joignent dans la parole. Dieu. Et comme avec ce que Jésus dans l'évangile de Josia, il dit, si les hommes sont capables de vivre, loi par là, nous n'avons pas besoin de loi positive, loi nouvelle. Si les hommes sont capables de vivre dans la dimension pour y remettre l'autre là, même les gens y remettent trop tête par nous pas besoin de loi ou écrit pour dire nous mais ça qui bon, mais ça qui pas bon. Par le fait que nous pouvons arriver dans dimension ça, dimension où y remettre l'autre là, où y considérer l'autre là comme étant un alter ego, un autre soi-même. Nous avons besoin du royaume pour dire nous qui ça nous fait bon. Et très souvent, nous mettons le royaume, bien que nous avons fait comprendre que l'homme, nul n'est au-dessus de la loi, personne n'est pas au-dessus de la loi, tout le monde doit obéir en bas de la loi. Cependant, il y a une loi qui parle des lois d'Adino, des lois qui ne sont pas humanisées. Ça veut dire qu'il y a une loi qui parle bon pour le monde. En plus, la fois nous dit, ce n'est pas tout ce qui est légal, qui est moral ou qui est bon. Ce n'est pas toute loi que la Chambre votée qui est bon. Ce n'est pas toute loi que le parlementaire, le monde qui a compétence pour ça, a voté pour la société, qui est vraiment des lois qui sont bonnes pour la vie du monde. Bon Dieu crée nous-mêmes les hommes. Nous dit l'homme est la créature la plus chère de Dieu. Pour qui ça? Parce que bon Dieu donne nous l'intelligence, lui donne nous la raison que l'autre créature n'a pas gagné. Oui, frère, avec ce but, nous dit le royaume nous fait pour permettre que le monde vive bien. Nous dit l'inadmissible. L'indispensable dans la vie en société, dans la vie en communauté, même dans la vie en famille, ou pas des principes, ou pas des lois. Et nous disons encore, le royaume vital existentiel. Mais très souvent, nous mettons le royaume plus haut parce que nous. C'est-à-dire que le royaume doit humaniser, il doit entrer en rapport avec la situation existentielle où la vie. Oui, frère, avec ce mot, parole, bon Dieu dit, depuis que l'homme n'a pas besoin de loi pour fonctionner, parce que, comme c'est donné, c'est dit ça, remet et fait sortir. Les gens qui ont aimé la Kali sont venus mettre le mandat
mettre l'essentiel pour le faire s'arrêter. Parce que toute action qu'il a posée, c'est la bonne action qu'il a prise. Parce que lui est remé dans quel vie. Faites chaque Seigneur comme étant être que mon Dieu a créé pour choisir. Il bon nous raison, il bon nous intelligence. Mais nous supposons utiliser raison nous, intelligence nous, avant que nous choisissions. Nous devons penser avant que nous agissions. Très souvent, nous agissons sans nous pas penser. Nous devons penser d'abord avant de nous poser quelle que soit l'action que nous avons posée dans la vie. Nous. Et c'est ça qui va faire distinction entre nous avec notre création, parce que même on dit qu'on agit par instinct. Et là, nous ne prenons pas ton, nous ne prenons pas son, pour nous penser avant d'agir, et bien en plus des fois, nous pouvons faire des mauvais choix. Et tout choix qu'on fait dans la vie, et bien il y a nos conséquences. Il n'y a pas de choix sans conséquence. Bon conséquence, mauvais conséquence. C'est pour cette raison, encore une fois, nous dit, il est toujours très bon pour nous prendre en nous, pour nous penser avant que nous prenions, quelle que soit la décision qu'il a pris la vie. Mais nous sommes capables de nous encore pour nous qui ait confiance en mon Dieu, qui croit en mon Dieu, non seulement pour penser avant pour agir, mais on l'a prié tout. Même Jean-Jésus t'a fait. Quel que soit le choix que Jésus t'a fait pour faire, même si nous avons choisi à mon Dieu, lui monter sur montagne là, l'aller la prier mon Dieu, pour demander mon Dieu discernement, pour être capable de faire choix ça. Et bien, frère, avec ce choix que nous faisons dans la vie, il y a une grande conséquence, grande répercussion sur la vie dans les futurs, dans l'avenir. C'est pour cette raison, encore la foi, nous devons utiliser la capacité salue que mon Dieu nous a, qui se résout avec intelligence pour nous penser avant d'agir. Non, pour nous pas agir après ça, pour nous penser sur ça de faire. Ou bien liberté en tant que jeune pour faire de la vie sans l'air. Après, mon Dieu, vous êtes le responsable de vous-même. Vous êtes le premier responsable de vous-même. Vous avez responsabilité pour faire des vies ça que vous voulez lire. Par vos chemins, vous déjà tracé pour vous. C'est vous-même avec mon Dieu qui choisit le chemin que vous voulez suivre. Vous choisissez le style de vie qu'on t'a remené et de meilleur. Au petit temps, dans la jeunesse, vous ne pas apprendre rien. Et demain, vous espérez que vous vous vivez. Vous dites que vous n'avez pas de chance. Vous ne pensez pas avant de faire le choix que vous faites. Vous choisissez pas que mal. Vous choisissez sans penser. Et bien de même, les ou les conséquences sans vous n'avez pas de chance. Encore une fois, c'est pour nous prendre temps pour nous faire de vie nous, ça nous voulait dire. Il n'est jamais trop tard. Ici aux États-Unis, nous sommes à l'université, à 80 années, il est ça, il y a un collège à étudier toujours. 80 ans. Et aujourd'hui, c'est le monde.
depuis nos 20 minutes, tu vas étudier encore bas sous ça. Frère Seigneur, Jésus, dit si bien dans l'évangile de Josia, moi pas fini, aboli, moi fini à accomplir. Il connaît réellement qu'aucune société pas capable de fonctionner sans loi, pas capable de fonctionner sans principe. Mais dans la vie, chaque monde, tout le monde dans la vie, pas de principe, pas de loi, c'est pour le monde qui peut aller aucun côté. Dans la vie, tout le monde, il faut gagner un principe, il faut gagner l'ordre, il faut gagner un projet de vie. Il faut avoir un projet de vie. Si vous n'avez pas de principe pour gagner loi dans la vie, eh bien, tout ça qui entre dans mon dépense ou dépense, ou pas penser à demain, à votre tout, ou pas penser à Timounio, ou faire éducation demain, eh bien, demain, pas besoin d'espérer grand bagage. La vie ne fait pas cadeau. C'est nous-mêmes qui pouvons choisir, faire ça nous voulons avec tête. C'est pour voir ça qu'on dit, oh mon Dieu, comme aujourd'hui, pour nous comprendre, nous sommes libres. Frère et Seigneur, vraie loi, Jésus dit non, c'est la loi d'amour. Là où il y a l'amour, on n'a plus besoin de loi, des principes. Vraie loi, c'est loi remède. Côté qui remède la joie, côté qui remède le content, côté qui remède nous joindre, côté ça, tout le petit paradis, côté qui remède encore le temps avec ce lot, principe, loi, ça aura des places encore. Ça n'a pas de place encore. C'est pour cette raison, chaque jour, on t'a demandé, mon Dieu, pour aider nous rêver l'un avec l'autre. Parce que vous parlez réellement oui, avec dimension ça. Vous avez dit, l'homme est un animal de guerre. Il y a la qualité d'ambition, passion, sentiment. Eh bien, on apprend à aimer. L'amour, c'est un apprentissage, on apprend à aimer. Vous avez dit, madame, vous m'avez apprendre à l'aimer, vous avez appris ça. Et c'est censé qu'il t'a coquet qui connaît tout le bagage. Personne ne connaît tout le bagage. C'est pour cette raison, chaque monde son richesse pour l'homme. Nous sommes richesse pour la communauté. Chaque monde qui est dans l'église là, nous sommes richesse. Vous êtes des cadeaux. Et des cadeaux qui n'ont pas de prix. Vous sont cadeaux. Un cadeau de Dieu. Quel que soit Jean, l'homme, frère, soyez, vous doit accueillir. Parce que c'est un cadeau de Dieu. Vous ne pas choisir le cadeau frère. C'est un impératif. C'est Jésus qui va au frère ou soeur. Ou le remède, quel que soit les gens qui y a, remède nous changer. Parce que personne n'est parfait. La perfection, c'est un chemin. La sainteté, c'est un chemin. Et on tend vers la perfection. On tend vers la sainteté. Pas avec ce Dieu, c'est pour célébration aujourd'hui. Hein? Bon Dieu, à travers lui-même, éclairer l'intelligence. C'est pour lui permettre que nous agissions dans le monde qui a pensé, le monde qui a réfléchi. Pour nous prendre temps, pour nous penser avant de nous agir, on dit souvent le sage ne dit pas ce qu'il pense, mais il pense. Ce qu'il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Même d'abord,
que ou même qui choisit marcher avec vous, choisit faire volonté. Nous demandons pour toujours être avec nous, par la force, avec courage, nous travaillons, nous mettons la main du côté nous, nous mettons la paix du côté nous, nous mettons quelques temps du côté nous. Nous demandons pour ça, pour Jésus, notre frère, notre petit tour, les mêmes qui vont y croire avec vous, Jodhia, et pour tout le temps qui est temps. Amen.
Yeah.
Et qui fait de la veille.
péché nous et protéger nous pour qu'elle ne m'allait pas nous vivre. La paix est au mieux pour mettre nous.
Jedi